Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 12 mars 2024, toujours avec ce bel oracle angélique, message des anges, n'est-ce pas? Et il y a quelques cartes d'archanges dans cet oracle. On terminera avec l'affirmation positive. J'espère que vous avez passé une belle journée hier et que vous allez toutes et tous bien. Alors, petite philosophie du matin. Pour ce matin, et si l'on cessait de compter, de quantifier, d'évaluer, de mesurer, de comparer? L'art du bonheur ne consiste pas à comptabiliser, mais à limiter ses désirs des choses de ce monde et à s'en trouver bien. Voilà la petite philosophie de ce matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'ange du service. Mission, travail, œuvre. On a toutes et tous une mission ici sur Terre, n'est-ce pas? On est venu se réincarner pour une mission, pour transcender nos distorsions, pour améliorer nos qualités et nos vertus. Eh bien, tu dois découvrir en toi la voie qui te conduira vers la mission qui respecte, eh bien, ce que ton cœur te dicte. C'est en exécutant, n'est-ce pas, ta mission profonde que tu seras pleinement heureux, heureuse, et que tu sentiras divinement à ta place, au bon endroit. C'est vrai que lorsque on se sent bien, eh bien, on se sent bien où on est et on se dit, mais oui, ici c'est ma place, c'est le bon endroit, c'est la bonne place. Celui ou celle qui a su découvrir sa tâche divine, eh bien, se développe et s'épanouit tout au long de sa vie terrestre en apportant le meilleur de lui-même au monde entier. En étant pleinement toi, dans ta mission sacrée, n'est-ce pas, ici sur terre, tu sers d'une façon divine et tu élèves la vie des gens. Tu les nourris de ta passion et de ton énergie vibrante et aimante. Vous savez, lorsque vous êtes maman, eh bien, vous avez une mission, cette mission d'être maman, d'élever votre enfant. C'est une mission. Maintenant, si vous avez choisi comme métier infirmière, sage-femme, dans le milieu hospitalier, eh bien, vous aidez les autres. C'est beau, c'est magnifique. Il n'y a pas de plus grand bonheur, n'est-ce pas, pour l'âme, que de savoir que l'on apporte sa contribution, que l'on apporte son aide et que l'on permet à la vie elle-même d'être plus belle, plus lumineuse et plus harmonieuse. Les bienfaits, n'est-ce pas, que vous allez apporter par votre mission terrestre, eh bien, cela vous les élèvera vers les plus hauts sommets. Et déposera sur votre âme des joyeux lumineux qui perdureront, n'est-ce pas, bien au-delà de votre vie terrestre. Aider les autres, servir les autres, toujours dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance. C'est important. Alors, je vais prendre un exemple. Une mission. Nous avons une mission sur Terre.
par exemple une maman qui a un enfant handicapé, eh bien sa mission c'est de s'en occuper, de l'aider. C'est ça sa mission, de l'élever, de le faire grandir. Voilà, c'est waouh, c'est un beau message, ça me parle beaucoup. Et puis, l'ange du service, n'est-ce pas, aider les autres, c'est tellement beau. Quand on peut aider, on se sent bien. On se dit, voilà, c'est un petit grain de sable dans l'immensité des dunes, de plages, de sable. C'est une goutte d'eau peut-être, mais goutte d'eau par petite goutte d'eau. Et bien voilà, donc l'ange du service, c'est beau, c'est beau. Allez, je termine. Oh, ça me prend, hein, vraiment. Waouh, waouh, waouh. Je ne sais pas si ça va vous prendre aussi comme moi, ça me prend. Mais ça, c'est vraiment, ça va dans le fond de mes tripes. Hein. Affirmation positive, je mérite de ressentir de la joie, du bonheur et de l'amour. Je mérite de ressentir de la joie, du bonheur et de l'amour. Voilà. Je vous souhaite, je suis fort émue par ce message. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.